start with the evolution of music from the 50s up to now, the real link between vinyl records and music in general is basically it's a sound. It's a basic sound that we had from the 50s to the 60s to the 70s. And we're talking about in the 80s, it's analog sound. The record, the actual vinyl record, represents the analog sound of recording. So there's a process. When you go into the studio, you have your tracks, your 16 or 32 track board. Each track has a sound that you record on that track, and it could be a drums, it could be the kick drum, it could be the snare, it could be... Now, once you mix all of this down, it's put on an analog tape. That's the sound that we're talking about. This analog tape is a sound that has... it's not as clean as digital. See, we are in the digital age. Everything is digital. You have digital recording. You have digital machines. They have digital instruments and keyboards, and everything is processed and computerized. And so it's really clean, really, really a clean, clean sound. And to a certain ear, it's maybe better, but you lose, when you're talking about the difference between digital and analog, you're talking about you lose a lot of the bass, a lot of the what we used to call dirt or soul in the analog sound. And that's why the sales are going up with the vinyl records, because the vinyl records all have analog sound. And that's a whole different sound to what we hear today, the digital sound. So that's the link, is the analog sound. People remember that. They feel it. They feel the soul that's in that vinyl record. Nowadays, you have like various formats to release music, and a lot of people still appreciate it, buying vinyl. The process of vinyl doesn't allow you to cut really high and unpleasantly dynamic frequencies. So if you play vinyl in a club, you can really, really pump it up and play it loud volumes without the ears starting to bleed because of the high frequencies. You have to be careful if you play digital files in a club that it's not too loud and not unpleasantly in the high frequencies. That's a really advantage of vinyl in the club. And in general, vinyl is a different kind of sound that people might like and might prefer. Personally, I really, really like it because it gives the music some sort of signature sound that has always been pleasant when listening to hip hop, or where it all comes from, or it started from, like all the soul and funk era. '66 records, we decided that, you know, it was time to make sure that all the music that we put out ends up on vinyl, because we want it to last forever, and vinyl lasts forever. I mean, you know, we got records as artists that when we were kids put music out. Now 20 years later, we got people that know us from those records. So it just goes to show how long that stuff lives on. As if those records just came out. Like, that's ill that a record that we recorded in 1995, in 2013, somebody just wants to throw it on a turntable. It's different, like, when you play an old record via MP3. It's just like it doesn't have, because it's not tangible. So anybody can go to YouTube and pull up a Motown record. If somebody actually pulls out the Motown record and puts it on the turntable and plays it, that's just a different feeling. Dès 1857 d'ailleurs, les premiers enregistrements sont inscrits sur papier. Il faudra néanmoins attendre 1877 pour qu'Edison donne une voix à ce papier. Et 20 ans de plus pour que les disques en cire soient assez aboutis pour être commercialisés. Les disques qui ont conquis le monde entier,
participant à une révolution sonore et visuelle au même titre que la radio et le cinéma. Il faudra ensuite patienter jusqu'en 1948 pour que le vinyle remplace la cire et que les disques micro-sillons tels que nous les connaissons actuellement apparaissent. 170 années donc que ce procédé permet à la musique de se reproduire, de se décliner et se réinventer pour toujours mieux nous fasciner. Une passion en appelle toujours une autre. Une collection n'est jamais complète. Il est ainsi facile d'être dépassé par la multitude. Chez Pascal, pourtant, tout semble à sa place, bien au-delà des rangements et autres étiquetages parfaits qu'un musée adulerait. Comme l'ont fait des milliers de passionnés avant lui, il nous dévoile des objets particuliers, choisis consciencieusement et souvent réparés par ses soins. Sa passion est devenue un art de vivre. Il préserve un héritage qui encore maintenant contribue à l'élévation des arts sonores. Les précurseurs ont cherché longtemps à reproduire le son. Il y a eu des boîtes à musique qui donnaient un son grâce à des instruments de musique. Mais pour reproduire le son, ça a été assez difficile. Les premières découvertes, ça a été fait par Scott de Martinville vers 1856 ou 57, où il a réussi à marquer la vibration du son, c'est du noir de fumée. Le noir de fumée est le résidu provenant de la combustion d'éléments carbonés. Il forme typiquement la suie des cheminées. Il avait donc conçu un pavillon avec au bout une membrane vibrante sur laquelle il avait inscrit un fil, poil de sanglier pour pouvoir marquer le son. Mais ceci ne permettait pas de reproduire le son, c'était seulement la visualisation de ce qu'était la vibration du son, la transmission par l'air. En 1857, Au clair de la lune fut le premier enregistrement sonore de l'histoire. Inscrit sur papier, il fallait encore trouver le procédé qui permettrait de le lire et ainsi de le dupliquer. En avril 1877, donc Charles Cros a posé, pas écrit le principe que cette vibration qu'on avait réussi à inscrire, il fallait la graver sur un support. Je ne sais pas si Thomas Edison a eu vent de cette information ou pas, mais lui a réussi à appliquer ce principe en dessinant les plans d'un petit phonographe qu'il a demandé à un horloger suisse, John Truzzi, construit cet appareil. Ce sera pour enregistrer du son et le reproduire. Le mécanicien n'y croyait pas, mais il s'est mis à l'ouvrage et il a construit le petit appareil, qui est un appareil à feuille d'étain, tout simple. Il y a un support cylindrique pour la feuille d'étain, on met une feuille d'étain dessus. Pourquoi le cylindre? Pourquoi ce support au départ? Support très fragile. Mais en fait, sur le cylindre, le sillon a toujours le même diamètre. Sur le disque, il n'y a toujours qu'un sillon, mais le diamètre diminue. Et ça, Edison n'a pas trouvé la solution. Finalement, un Allemand, Emile Berliner, qui en 1888 a réussi à graver le premier disque qui a fait la gloire de la musique pendant des années, avant qu'on découvre les 45 tours et les 33 tours et les MP3 et compagnie. Alors ces premiers disques, ils étaient gravés sur une seule face, ils datent de 1899, 1901, 2. Les premiers disques étaient en cire. Ils ont principalement été utilisés durant la première moitié du XXe siècle. Les disques à micro-sillon prennent la place des disques en cire des 1950. Fait de vinyle, un polymère plastique bon marché, il est aussi plus léger pour une qualité sonore supérieure. Il
Le sillon transmettait sa vibration à cette aiguille, laquelle transmettait la vibration à la plaque vibrante, et la nécessité du pavillon qu'on connaît, la forme du pavillon, soit en forme de trompette, soit en fleur de lys, ça servait d'amplificateur. On pouvait écouter des disques sans électricité, ça fonctionne avec un ressort et une aiguille, un clou, et la musique est là. Avant, ils allaient au concert et tout le monde ne pouvait pas se le permettre. Bon, il y avait les balles champêtres, mais enfin, toujours, c'était toujours en live, hein, si on veut bien. Et à partir du moment où le gramophone et le phonographe ont été inventés, on a eu cette possibilité de choisir la musique qu'on entendait chez soi. Et pour les gens d'aujourd'hui, mais déjà pour nous qui avons eu, nous on écoutait des 33 tours à la maison, qui avions la musique et la radio à la maison, ça nous semblait tellement naturel, et ben j'essaie des fois de me mettre à la place des gens qui la première fois ont eu ça dans leur salon, c'était fascinant. Ça me rappelle un petit peu les premières fois qu'on regardait la télé dans des... où on allait à l'endroit où il y avait une télévision, la télé n'était encore pas chez vous. Chez moi quand j'étais petite, c'était dans l'hôtel qui était en face de chez nous, où on était autorisé à aller de temps en temps regarder la télévision dans le salon de l'hôtel, et ben ça devait être quelque chose du même genre pour la musique. Alors cet appareil-là, ça s'appelle un concert automatique. C'est un modèle tout début du XXe siècle. Et puis ce genre d'appareil-là, donc meuble, grand, imposant, avec un très grand pavillon, ils étaient utilisés dans les garnisons, dans les bistrots et aussi dans les maisons closes. Tout endroit où on avait besoin de diffuser de la musique. Donc ils étaient faits pour des espaces publics, plus ou moins. Et raison pour laquelle il y avait un monnayeur, c'est l'ancêtre du jukebox. Vous avez ici la petite armoire avec la série de disques. Sur ces appareils-là, on jouait principalement des disques, donc toujours les disques évidemment en cire, mais des disques à 80 tours ou à 100 tours. Je prends une aiguille neuve ici. Je la visse, c'est tout ça. Là. Voilà, donc c'est purement mécanique. Il y a donc un moteur là-dessous avec un ressort. Je remonte le ressort en faisant attention de le remonter suffisamment, mais pas trop pour qu'il ne lâche pas. Voilà. La passion d'Elisabeth s'est déclinée sous plusieurs formes au gré des rencontres et des marchés aux puces. Sa collection est maintenant si diverse qu'elle retrace une part de la mémoire collective. Ces objets sont d'un autre temps, un temps où ils avaient le droit d'être vivants, de nous accompagner dans nos périples et ainsi de vieillir. Dès la première rencontre, ces témoins subjuguent par leur simplicité. Face à un baladeur MP3, ils semblent désuets et pourtant fournissent le même résultat. Alors les boîtes à aiguilles gramophones, c'est pas vraiment les aiguilles qui m'intéressent, mais ce sont les boîtes, qui sont des boîtes en tôle lithographiée, qui ont été produites pendant toutes les décennies de l'existence des disques 78 tours, qui étaient les précurseurs des vinyles. Ça avait une durée de vie de 3 minutes quand tout allait bien. Et dans le fond, c'est ce qui fait qu'il y a eu une production d'aiguilles, probablement des millions d'aiguilles qui ont été produites, qui étaient des aiguilles en acier. Depuis 1872, la marque Backshaw exporte des aiguilles pour des machines parlantes. Ils ont établi un record mondial en livrant plus de 63 millions d'aiguilles en 10 jours ouvrables consécutifs. Donc, le son reste de qualité. L'aiguille devait être toujours totalement aiguisée. Sinon, en s'émoussant, elle détériorait le sillon qui, au lieu de rester vertical pour une lecture parfaite, commençait à s'écarter. Et à partir de ce moment-là, vous entendiez les grattements, les chointements et finalement le disque était endommagé.
les aiguilles étaient de diamètres différents pour pouvoir nuancer le son. Donc on avait les aiguilles depuis les aiguilles sourdines ou pianissimo jusqu'aux aiguilles extra fortes. Et c'est le diamètre, donc l'épaisseur de l'aiguille qui faisait la différence du son. Les plus fines étant produisant le son le plus doux, les plus épaisses produisant le son le plus fort. Parce qu'autrement, le son il sortait avec une seule intensité sonore. Ça a été des objets vraiment d'usage absolument courant. Donc ça a duré depuis 1877 jusqu'à, disons, la grosse production, jusqu'avant la guerre, la Deuxième Guerre. Et ça a été encore plus popularisé à partir du moment où le gramophone portable a été créé, dans les années 1920. Ça ressemble à la machine de l'antan. C'était un des premiers qui a été produit. J'ai ici un petit compartiment pour les aiguilles usées, ça j'adore aussi. Je prends une aiguille neuve. Je la fixe là. Et puis, évidemment, toujours pour côté. Voilà, là je arrive au bout. Et puis ici, un petit coup de dépoussetage, et puis maintenant j'espère que ça va bien fonctionner. Le disque vinyle a dès son invention été utilisé à des fins de recensement, tout comme les moines ont recopié des livres durant le Moyen Âge. Plus tard, l'invention de l'imprimerie a démocratisé la lecture. C'est ce que l'invention du disque phonographique a fait pour la musique. Pourtant, ce n'est qu'avec l'apparition des premières stations de radio que la musique a réellement pu s'étendre au grand public. C'est ainsi une combinaison de plusieurs technologies apparues au début du 19e siècle qui a permis aux disques en cire de devenir indispensables au quotidien. L'industrie du disque, quant à elle, explosera avec l'arrivée des premiers disques de blues qui déchaînèrent les passions.